I'm on living now, Gawuli, I'm on living now, Gawuli, I'm on Gawazi, yours. Who was so? I'm on Nuyi Sabayo. Who was so? I'm on Nuyi Sabayo. Who was so? I'm on Nuyi Sabayo. I'm on Lina Ugauli, our Kawakuya, your woo. I'm on Lina Ugauli, our Kawazi, your Samus. Who was so? I'm on Nuyi Sabayo. Une sorcière qui a son mari, elle veut me détruire.
Alléluia. Amen. Jésus, bénis ton foyer maintenant. Oh, le petit qui a gâté la vie de ses parents. Ouais. Ça va? Exactement. Puissant de la sorcellerie. Je te commande maintenant. Voilà, puissance qui est dans le sang de l'agneau. Lâchez et délibérez son corps. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Va-t'en. Va. Va. Feu. Feu. Lâche-la. Lâche-la. Quitte son corps. Tu m'attends? Lâche-la. Va-t'en. Le feu. 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 Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Lâche-la. Ça veut dire qu'il y a un esprit en elle. Un démon. Tant que le démon n'est pas chassé, il sera difficile même d'abandonner la sorcellerie. Lâche-la. Le feu sur toi. Feu. 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 Après les aveux, chassez toujours le démon. Or, quand vous commencez à chasser un démon, ou bien quand vous parlez un esprit de la sorcellerie, que le démon vous résiste, avec que les aveux ne sont pas finis. Or, quand il a tout dit, le démon oublie de se manifester. Forcément. C'est une étape très importante pour elle-même. Et ça va l'amener à expérimenter la délivrance. Or, si elle n'est pas délivrée, qu'elle a fait les aveux, elle demeure toujours sorcière. Sors. Le feu sur toi. Tu m'entends, le feu. Lâche-la. Va-t'en. Va. Va-t'en. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Lâche-la. Lâche-la. Feu. Allez. Le feu. Le feu.
dit au chauffeur de manger, je vais aller m'acheter une bouteille de feu. Le feu. Voici l'argent, une bouteille d'eau. Regarde. Lâche-la. 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 Vous avez un monsieur que. Si c'est vous, vous avez un homme, un monsieur possédé. Le fait même d'avoir des rapports avec vous, vous communique les esprits. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent des esprits comme ça. Or, si c'est une personne sorcière, vos grâces, la personne détruit ça immédiatement. Or, la Bible dit que celui qui a une femme a eu le bonheur. Vous avez le bonheur en vous. Or, c'est ce que le sorcier cherche à détruire. Il peut même te proposer, tu penses que c'est l'homme le plus idéal, celui qui a l'argent. Or, il veut prendre ce qui est en toi, c'est ce qu'il récupère. Dès qu'il finit, c'est fini. Tu vas, c'est ton flogo là, tu envoies partout. Toi, tu constates que rien ne va. Tout ce qui te touche, ça s'écarte. Ça ne marche plus. Parce qu'il y a un sorcier qui t'a embrassé, t'a enlevé les choses. Ne jouez pas à la sorcellerie. Amen. Tu as une sorcière, va te poursuivre. Jusqu'à te détruire. Sors. Allez. Sors. Lâche-la. Va-t'en. Quitte ce corps. Va. Tu vas partir. Vous voyez comment ça prend le temps. C'est pour ça que par moi, ayez pitié et priez pour nous. Ça prend tout le temps. Il faut écouter les aveux. Il faut délivrer les victimes. Il faut délivrer même le sorcier. Pour un cas, ça va être peut-être 2 heures pour revenir encore sur notre programme. Quitte. C'est qu'on va faire parler vite, vite. Je vais demander au pasteur, il va s'occuper de sa délivrance. Amen. Comme ça, va aller rapidement. Soulevez le pasteur, va chasser. Mets le petit sorcier, tu le corriges. Et tu l'envoies ailleurs, ici. Tu reconnais ta sorcellerie. Tu es. Je suis un sorcier. Tu es quoi? Je suis un sorcier. Qui t'a donné la sorcellerie? Mon père. Comment t'as donné ça? Un moment, quand il mange, il me donnait le reste. Donc, un moment. Comment t'as donné la sorcellerie? Un jour, il a mangé et il m'a donné le reste de sa nourriture. Il y a du riz, il y a une sauce que. La sauce qu'elle a, la viande, c'est bien là ici. C'est bien là. On a goûté, la conscience en chaîne, chez humain. Donc quand elle a mangé, elle commençait à voir clair. Quand tu dis voir clair, ça veut dire quoi? Tu vois l'homme, tu le vois en cabri, tu le vois couler, tu vois pintade. Ça veut dire quoi, voir clair? Comme je vous l'ai dit, dans le monde qui joue. Ça veut dire quoi, voir monde qui joue? Je vois les choses qu'on a mis, dans les armes, beaucoup d'armes, des esprits. Tu as déjà tué? Oui. Combien de personnes? 4 personnes. 4 personnes. La première personne que tu as tuée? C'était la fille de mon oncle. La fille de ton oncle. Elle n'a pas de nom? Si, elle s'appelle Lady. Et Lady, tu l'as tuée. Quels sont les gens que tu as gâchés? Tu as gâché la vie. J'ai gâché la vie de mon. Il est où son oncle? Venez ici. Qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie? Elle prit son argent. Ça veut dire quoi? Explique. Son argent était où? Tu as pris ça et tu as fait quoi avec ça? Et tu as envoyé ça où? Il est dans le canari. Où ça? Il est dans le coup. Quel coup? Vous êtes où? Ok, bien où ça? Il pense sa tête coupée. Pourquoi? Il prend sa tête. Fais tant. Pourquoi?
Hein? Non, mais pose sa tête, tu prends pour ta vie. Tu sais pas où il y a tant de faire autre. Sans aucun dénigre, Jimmy ou bien. Tu t'as fait quoi, tu tapes sa tête. Tu sais pas où on achète. Non, on a besoin de t'aimer. Tu sais pas où on achète ça. Où c'est fait, quelqu'un qui prend. Dans les foutaises, hein. Mais les foutaises, mon déterre. Non, ok. Tu tapes sa tête. Comment? Pour voir, mais tu l'as fini dans ton autre portable. Ça va, ça. Oui, ouais. La nuit, il met dans sa chambre. Ouais. Puis, il a souvent, il fait, il sort tout le temps, il couche à lui. Non, t'es bien pédé. Il est pédé spirituel. Tu couches à lui. Comment tu fais? Il met dans sa chambre, il est couché à lui. Il est homme, toi tu es homme. Comment est-ce que tu dis ça? Lui c'est un homme, tu n'as pas compris mon français. Un homme doit aller avec une femme. Toi tu es un homme, c'est ton homme. Toi tu couches avec lui, comment tu t'expliques ça?